J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode des Vlogtobre. Pardon, je viens de vous secouer dans tous les sens. Écoutez, pour nous, les deux derniers jours ont été excessivement chargés. Vous l'avez vu, ce matin on s'est réveillé dans notre van, notre Marco Polo. Alors il faut savoir que cette semaine, ça va être une semaine excessivement chargée. De toute façon, je vais vous emmener avec nous, évidemment. Vous l'aurez compris, hier soir, on était en enquête paranormale. On va en enchaîner trois cette semaine. C'est pas rien. J'ai évidemment très envie de vous montrer le château, mais je ne peux pas parce que je veux quand même vous garder un minimum de surprises. Surtout que vraiment, cette semaine, on va faire ça en boucle. Donc ce serait bête de tout vous spoiler. Tout ce que je vais vous montrer, regardez, c'est la toute première fois qu'on fait un château où il y a des douves. Oh non, mais je suis morte. Ça va les oies? Elle vient de me dire bonjour. Ça va ou quoi? Coucou. Tu crois qu'elle me parle? Oh, regarde, il y a des méga poissons. Oh putain, ils sont énormes. Je sais pas, c'est des carpes, ouais. On était en train de filmer les plans là. On a vu une biche se barrer hyper vite, mais je crois qu'il y en a une deuxième. Regardez ça comme c'est beau. La lumière est 100 fois mieux. On vient de terminer les plans au château. Donc là, Sarah se met à l'arrière. Je viens de défaire le bouton de mon pantalon. J'ai mal au ventre depuis ce matin. Oui, bah écoute, je me mets à l'aise. J'ai mal au ventre, j'y peux rien. Sarah se met derrière parce qu'elle va devoir faire tout le dérush de nos vidéos. Donc de tout ce qu'on a filmé hier soir, ce matin et le début du vlog. Et regardez, là, c'est très satisfaisant. Je vais rentrer le toit. C'est vraiment génial. En gros, tout est automatisé. Et Sarah, elle a dormi sur le lit du haut cette nuit. Et moi, j'ai dormi sur le lit du bas. Ouais, toi t'as bien dormi en vrai. J'ai trop bien dormi. Putain. Le matelas, fire. C'est un moustique que je vois là. Mais oui, je t'ai dit. Je vais l'éclater. Du coup, les amis, on est parti pour le deuxième lieu de tournage. Est-ce qu'il y a un moment où je vais arrêter de me faire interrompre dans cette putain de voiture? Je ne vais pas répondre, moi. Quand c'est un numéro inconnu, je ne réponds pas. On en a pour 2h19 de route. On n'a toujours pas bu de café puisque c'est le seul truc qu'on n'a pas acheté. Alors que c'est vraiment le premier truc qu'on aurait dû acheter, c'est du café en fait. On est folle. Je sais pas pourquoi, c'est nimp. Allez, direction le deuxième lieu de tournage. J'ai hâte de vous montrer où on va. Ça va être trop beau. J'ai volontairement décidé de passer par l'autoroute pour aller chercher du café. Par contre, je crois que. Oui, le coffre est tout à fait ouvert. Ah, ça c'est la van life, c'est le métier qui rentre ça. Ça c'est la van life. Let's go. Ça y est, on est en Bretagne en fait. Il y a des indices qui le prouvent. J'ai perdu Sarah. Maintenant c'est fini. Tu rentres plus. Vraiment se retrouver sur une aire d'autoroute perdue en plein milieu entre la Normandie et la Bretagne, c'est à faire. Vous savez, c'est pas les grosses stations-service. C'est vraiment plus les petits trucs où tu prends, tu sais, ton plateau. Ah, il reste une frite. Ton plateau du self comme ça, tu vois. À la bonne franquette. Morgan, on a même un pichet d'eau. Comme à la cantine. Comme à la cantine. Tu vas voir ? T'as quel âge ? Ah, j'ai 15 ans. Merde. 24. Ah putain ! J'ai mon âge. Ah bah voilà. En vrai, on aurait pu très bien manger dans le van parce qu'on avait des courses dans notre mini frigo. Mais le problème, c'est que la prise de notre van, elle marche pas. Je pense qu'il y a un fusil qui a sauté. Et on a une énorme batterie de caméra à charger pour les tournages. Et donc, ben, on s'est posé là parce que la batterie, elle est en train de charger derrière moi. D'ailleurs, elle charge très doucement. Hein. À tes souhaits. Pardon. Merci. Ah bah là... On en est qu'à deux. Pas le temps que je boive mon café et tout. On va rester là 3 heures. Non. Certainement pas. En fait, les journées de tournage, là, on s'est dit qu'on allait faire 2 jours de tournage d'affilée. Et ensuite, il y a un jour de battement où on va pas tourner. Et où sera un peu la journée. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas où on va aller. On va voir. Ça va être la surprise. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des endroits où qu'il faut qu'on puisse voir entre la forêt de. Je pense qu'en vrai, on pourrait aller se balader à la forêt de Brocéliande. En vrai, je suis vraiment chaude. Hein. On a jamais. Moi, j'y suis jamais allée. Ouais. C'est à côté. Je pense qu'on ira à la forêt de Brocéliande. Faut que j'aille boire du café. J'ai toujours pas.
Bon, on vient d'arriver sur le deuxième lieu de tournage. En fait, on est arrivé il y a un petit temps déjà. Je vous le montre juste comme ça. Hop, voilà. Et on a commencé à faire tous les plans. Là, il est l'heure d'aller manger. Donc, on va y aller. Mais je voulais quand même vous faire un petit tour du van rapide. Parce que comme ça, c'est fait. Vous voyez un petit peu dans quelles conditions on est. Mais c'est absolument génial. Donc, quand on rentre ici, vous avez évidemment le siège passager qui se tourne dans les deux sens, ce qui est hyper pratique parce que bah, là, il y a une petite table qui se met comme ça, donc on peut manger en face à face. On a énormément de rangements, donc là, bah, tout est dans la maison actuellement, mais sinon, on met tout ici. C'est hyper pratique. Là, il y a des tiroirs. Là, il y a mon ordi, mon sac et tout. Là, par exemple, vous avez mes petites holly, des couverts, un parfum. Enfin, bon, bref, il y a pas mal de petites choses parce qu'on a dû tout mettre. Là, il y a les affaires de Sarah. Ici, de la lue du sel, ceux qui voient les enquêtes peut-être. Ah non, je crois que je vous en ai jamais parlé. Ah, peut-être que je vous le dirai. Peut-être que je vous le dirai un jour pourquoi il y a ça. Ici, vous avez un évier, normalement avec... Ah bah, ma brosse à dents est tombée dedans, donc c'est génial. On est super contents. Un petit évier avec une arrivée d'eau, voilà. Là, on a carrément le gaz, les plaques, donc pour se faire à manger, je vous avoue qu'on l'a pas encore utilisé, mais en vrai c'est super pratique si jamais vous partez hyper longtemps et tout. Et là-dedans, c'est une glacière, voilà, donc on a un autre mini frigo avec évidemment des sneakers, vous l'aurez compris, ça c'est obligatoire. Là, on a plein de rangements, franchement c'est vraiment agréable parce qu'il y en a, il y en a partout. Là, c'est toutes mes affaires à moi, coucou, avec mes trousses de toilette, mes affaires au fond, enfin là j'ai l'impression qu'on voit rien, mais en fait en réalité il y a plein de rangements, j'ai plus tout mettre. Là, on a mis un plaid qu'on a acheté hier, mais en gros, les deux sièges s'approchent vers moi, se baissent et font un premier lit. Et ensuite, le deuxième lit, bah, il est juste là. Il suffit de monter le toit et donc on a deux couchages. C'est hyper, hyper pratique, encore une fois, parce que comme ça, on n'est pas obligé de dormir ensemble avec Sarah et ça permet d'avoir chacune son espace. Donc, c'est quand même super cool, surtout dans un tout petit van comme ça, bah, ça l'agrandit. Et ça permet aussi d'être debout quand on range plein de choses. C'est très pratique. Là dehors, vous avez une tonnelle que vous pouvez sortir qui vous permet, bah, je sais pas, par exemple le van est ouvert, il fait beau, vous voulez manger à l'extérieur, on a des tables et des chaises qui sont dans le coffre, donc ça c'est trop cool. Et là à l'arrière, donc le coffre avec des rangements ici, on a mis nos trépieds, quelques affaires, les coussins, ça c'est, voilà, la valise et tout. Et en fait là-dedans il y a une douchette, elle est juste là, qui permet de prendre une douche. Alors je vous cache pas que nous on va pas le faire parce que avec la météo là en ce moment on oublie, mais c'est plutôt pratique encore une fois si vous partez un long week-end ou pendant les vacances, c'est vraiment trop bien. Et évidemment tout est au occultant, donc ça c'est super pratique parce que là ce matin on s'est pas du tout fait réveiller par la pluie, et comme c'est tout automatisé on adore. Et ce que vous voyez là pour info, c'est la forêt de Brocéliande, ni plus ni moins. C'était sur ma wishlist à faire un jour dans ma vie, d'aller à la forêt de Brocéliande. Et comme demain on a un jour un peu off, je pense quand même qu'on va aller se balader là-bas parce qu'il y a des petites randos à faire, il y a des choses à voir. Et vu qu'on a rien de prévu forcément, moi j'ai très envie d'y aller. Sarah, je suis pas sûre, mais pas trop. Non, t'as peur ou quoi? Ouais. Mais t'as peur de quoi? Des nymphes, de tout? T'as peur des lutins. Elle a peur des lutins. On va sûrement y aller, Sarah. Oh, c'est beau, c'est une promenade. On va aller chercher Merlin l'Enchanteur. C'est bon, allez. Bon, là, du coup, on va partir manger parce qu'il fait faim et que on a toute la soirée encore et toute la nuit, évidemment, pour l'enquête paranormale. Donc, on va aller manger. Let's go. Alors, là, on a trouvé un endroit ultra mignon. Pour info, on est à Pimpon. Pimpon, Pimpon. Je vais faire la blague. Vas-y, fais-la, je t'en supplie. Pimpon, fait. Par contre, c'est trop... What? Mais tais-toi. Qu'est-ce que c'est beau. Attends, mais c'est incroyable cet endroit. Tu peux descendre et tout. Pour ça, les enquêtes paranormales en France, c'est génial parce qu'on découvre plein de lieux qu'on connaît pas forcément. Et là, pour le coup, je vous avoue que ben, je connaissais pas Pimpon. Et là, avec le petit coucher de soleil que je vous vois même plus, c'est incroyable. Là, on est dans le jardin de l'abbaye. On s'est perdu sans le vouloir. Je suis choquée. C'est magnifique. Je pensais pas qu'on allait aller dans un endroit comme ça. Regardez la lumière et tout. Thank you.
train de partager, on a fait moite-moite. Une demi-frangipane, une demi-crème de marron et encore un bolet. C'est parfait. On va pas tenir droit pour l'enquête paranormale. Ah ouais. On va pas réussir à tenir la caméra, on va être comme ça. Ça va être l'enfer. Nous voilà de retour dans le van après avoir dîné. Et en fait, ce qui vient de se produire est quand même assez cocasse et assez énervant. J'ai voulu payer au restaurant et en essayant de sortir mon portefeuille, je me suis rendu compte qu'il avait disparu. Pour celles et ceux qui me suivent, vous commencez à savoir que je pense que j'ai un problème avec mon portefeuille, puisqu'en fait, il disparaît une fois par mois. Et là, ça fait deux fois en un mois et je venais à peine de récupérer ma nouvelle carte pro à laquelle j'avais fait opposition il n'y a pas très longtemps puisque j'avais perdu mon portefeuille. Et là, bah, en fait, c'est hyper problématique parce qu'on est en plein voyage professionnel. Si j'ai pas mon portefeuille, je ne peux rien faire. Donc, on a passé presque une heure, je dirais, avec Sarah à faire le tour de tout ce qu'on avait vu, redescendre au niveau de l'étang, vérifier et tout avec les lampes torches de nos téléphones. Et évidemment, on n'a rien trouvé, donc j'ai quand même bon espoir que demain, à la lueur du jour, on le retrouve. Parce que si on le retrouve pas, autant vous dire que là, la suite du séjour va être excessivement compliquée et problématique. Je sais pas ce que j'ai avec mon portefeuille, je comprends pas pourquoi, je les perds à chaque fois, c'est super frustrant. Et là, vraiment, c'est compliqué de se dire qu'on va devoir aller faire une enquête paranormale, sachant que je ne sais pas où est mon portefeuille. Très énervant. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Je pense que du coup, on dormira même pas sur place. On va déplacer le van à l'endroit où j'ai perdu le portefeuille pour que demain matin, dès qu'on est réveillé, on aille chercher le portefeuille avec la lumière du jour. Il est déjà 22h30, donc là, on va arrêter le 1er vlogtobre ici parce qu'on va se préparer à aller faire l'enquête paranormale de nuit. Et on a quand même pas mal de choses. On va pas tarder. Je pense qu'on va commencer sur les coups de 23h30 minuit. Donc il faut quand même qu'on se prépare. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce 1er vlogtobre vous a plu. Je vous rappelle que du coup on se retrouve tous les jours pendant le mois d'octobre sur cette chaîne. Pour les horaires, ça va varier un petit peu de la connexion internet et surtout cette première semaine, puisque comme vous l'avez vu, on est dans un van et on est vraiment en itinérance totale. Des fois on a du wifi, des fois on n'en a pas, et on fait surtout tout avec la 4G, 5G de nos téléphones. Donc voilà, on se fixe pas d'horaire, on se dit plutôt fin de journée de manière générale. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir quand ce sera uploadé, parce que je vous posterai tout simplement une petite story. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtobre. Et s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi, pour mon portefeuille. À demain. Ciao.